sur la ville industrielle de Krivyi Rih ont fait au moins 11 morts. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sissi a affirmé le soutien indéfectible de l'Égypte à la sécurité et la stabilité de l'Irak, et ce lors de son entretien aujourd'hui au Caire avec le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans les différents domaines, ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Les détails avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sissi a reçu aujourd'hui au palais de l'Ittihadiyya au Caire le premier ministre irakien Mohammad Shia al-Soudani en visite en Égypte à la tête d'une délégation gouvernementale de haut niveau. Cette délégation participera aux travaux du comité supérieur mixte égypto-irakien. La réunion a également été élargie pour regrouper le premier ministre Dr. Mustafa Madbouli et un nombre de ministres et de hauts responsables égyptiens. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré qu'au cours de la réunion, le président el-Sissi a affirmé le soutien indéfectible de l'Égypte à la sécurité et à la stabilité de l'Irak, sa fierté de la profondeur et de la force des relations stratégiques entre les deux pays et son souci de le renforcer et de diversifier les cadres de coopération bilatérale mutuelle dans divers domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels, tant au niveau bilatéral qu'à travers le mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie. Le premier ministre irakien a de son côté salué les liens fraternels, étroits et historiques qui unissent les deux pays, soulignant la volonté de l'Irak de renforcer le mécanisme de coopération bilatérale bien établi avec l'Égypte et de tirer parti des résultats de sa récente visite en Égypte en mars dernier. Il a confirmé que la fréquence des visites mutuelles entre les deux parties reflète le souci de pousser les relations bilatérales vers de nouveaux horizons et d'améliorer l'utilisation des capacités et des compétences égyptiennes dans divers domaines. Le porte-parole de la présidence de la République a ajouté que la réunion avait discuté des moyens de mettre à niveau les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays frères dans divers domaines. Les points de vue ont également été échangés sur les questions arabes et régionales d'intérêt commun à la lumière du rôle central des deux pays dans la région. La volonté de renforcer l'action arabe commune a été soulignée d'une manière qui contribue à relever les multiples défis auxquels la nation arabe est confrontée. Le premier ministre égyptien Mustafa Madbouli et son homologue irakien Mohammad Shia al-Soudani ont présidé la deuxième session du Haut Comité conjoint égypto-irakien. Le premier ministre irakien affirmait que sa visite en Égypte avait pour but de renforcer